Tu sais, changer, en fait, n'est pas si compliqué que ça. Le seul truc, le vrai problème du changement, c'est que on s'imagine pas pouvoir changer et on s'imagine pas la personne que tu deviens quand tu changes. Le truc, du coup, si c'est tellement loin pour toi aujourd'hui, c'est loin le changement. Le truc, il faut pas que tu partes comme un fou à un sprint à essayer de changer le plus vite possible et tout. Non, tu peux le prendre simplement comme une randonnée. Une randonnée où tu vas emprunter un chemin qui sera parfois plat, parfois en côte, parfois en descente, parfois il y aura des grosses pierres, parfois il faudra peut-être escalader un petit peu. Mais en tout cas, ce chemin, ce que tu peux faire, c'est que tu le prends un peu à la cool, tu vois. Tu vas explorer tranquille, regarder un peu le paysage, ce qui se passe. Ce qui se passe quand tu es en train de faire un effort, comment tu ressens cet effort-là, tu vois? Quelles sont les épreuves qui vont te mettre un peu en difficulté? Quand est-ce qu'il va falloir que tu te reposes un peu, que tu prennes le temps d'un peu apprécier le paysage, tu vois? J'espère que tu vois ce que je veux dire, que en fait, le changement, c'est tout simplement des petits pas que tu fais un après l'autre, tranquillement. Tu peux regarder loin devant, tu peux regarder. Il faut toujours savoir à peu près où tu veux aller. Ça, c'est. Par contre, il faut pas. Comme à randonnée d'ailleurs, il faut pas. Il faut que tu aies un plan, tu vois. Tu peux pas aller à l'aventure comme ça. C'est sympa des fois, mais tu risques de te perdre et ne jamais revenir sur le vrai chemin. Donc du coup, tu peux aller tranquillement à l'aventure tout en sachant à peu près où tu veux aller, tu vois. Est-ce que la personne que tu veux vraiment devenir. Je sais pas toi, mais si tu as. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à. Moi, je voulais vraiment sortir de ma timidité, tu vois, je voulais vraiment sortir de cette anxiété sociale qui m'angoissait, tout ça. Et du coup, j'ai pris les choses petit à petit, j'ai réfléchi à ce qu'il fallait que je change chez moi, j'ai réfléchi à ce qui me faisait vraiment le plus de douleur, tu vois. Ce que je te propose, c'est de prendre un papier et un crayon, tu vois, et de marquer vraiment ce qui te fait le plus de peine dans la. Ce qui te rend le plus de peine dans la vie, ce que tu as le plus de difficultés à faire, si ce n'est, ça peut être aller accoster une fille à la terrasse d'un café par exemple, c'est déjà très dur, c'est dur pour tout le monde, mais alors encore plus pour les gens un peu comme nous, tu vois, qui sont enfermés dans cette timidité. Ça peut être au boulot, tu vois, il y a des lieux aussi, il y a des lieux, ça peut être des fois, ça peut être au boulot alors qu'en famille tu es super, ça peut être chez ta belle famille où tu es très anxieux, tandis qu'au boulot, tu gères très bien ton boulot, tu vois. Donc là, tu n'as aucun souci de timidité. Parce que la timidité, c'est des fois général, c'est des fois particulier, tu vois, sur certains points. Et du coup, pour tout ça, pour toujours réussir à aller dans l'aventure, aller sortir de ces points, tu vois, il faut bien tout noter parce que, et trouver un peu les trucs. Qui te font être mal à l'aise, être en difficulté, et les trucs où au contraire tu as plus de facilité, plus d'aisance. Ça peut être, je te disais, au boulot tu peux avoir de l'aisance, en famille non, ça peut être l'inverse, ça peut être dès qu'il y a une personne du sexe différent, tu peux avoir des difficultés, tu vois, et tout ça. Mais ça se crée, en tout cas, tu peux réussir à changer tout ça grâce à certains petits trucs que tu vas trouver sur le chemin, moi, que je vais pouvoir te dire ici, tu vois. Par exemple, moi, j'ai réussi à peu près à éviter les pièges de ce chemin et à commencer à construire mon chemin, moi, à lever les grosses pierres, à lever les branches qui se mettent en travers de ma route, tu vois. Et si tu veux, d'ailleurs, je peux t'encourager à t'inscrire en dessous à mes contacts privés où là, vraiment. Je te dis vraiment des choses précieuses de vraiment comment faire pour aller sur ce chemin du changement, tu vois. Ça se passe en dessous dans mes contacts privés, tu peux t'inscrire, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Et te désinscrire pareil quand tu veux, tu recevras des mails de ma part avec des messages vraiment inspirants et précis de comment tu peux faire justement. Tu vois, et ce que je te distille là, donc c'est, tu vois, il n'y a pas le truc, je ne vais pas te dire la formule magique.
le truc miracle pour sortir de la timidité, parce que tout simplement qu'il n'y en a pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de petits trucs. Tu vois, c'est des petits trucs à mettre les uns après les autres. Des petits pas, comme à randonnée, toujours pareil, cette analogie avec la randonnée, tu vois. C'est des petits pas que tu peux mettre les uns après les autres, des petits trucs, des petits trucs. Le seul truc, et encore une fois, comme une randonnée, au contraire du sprint, c'est qu'il faut pas que tu ailles comme un fou. C'est que c'est des trucs à aller à faire doucement, doucement, mais à faire longtemps et régulièrement. Ne jamais rater un jour, tu vois, par exemple. Moi, je t'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, tu vois, de mes routines matinales, tu vois. Ben, je rate jamais un jour. Je me lève, c'est comme ça, j'engage ma routine matinale. Je fais mes étirements, je fais ma méditation, je fais ma visualisation créatrice. Je fais mes affirmations, je fais ma vidéo. Tu vois, toutes ces actions-là que tu veux, j'en parlerai plus précisément dans des vidéos vraiment proprement dites sur le sujet, par exemple sur les affirmations. J'en ai déjà parlé, déjà, sur la visualisation, tout ça, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparlerai. Et donc, si tu veux, tu peux t'abonner ici aussi à ma chaîne. Tu t'abonnes, si cette vidéo t'a plu, tu peux me mettre un pouce bleu. Tu vois, toujours, c'est toujours pour m'encourager. Et moi, ma mission ici, c'est. Tu vois, j'ai réussi. Je ne suis pas encore un expert parce que, comment dire, il faut. Je m'améliore tous les jours. Et tu le vois bien, là, je ne suis pas super à l'aise encore. Mais en tout cas, je me suis engagé à faire des petits trucs tous les jours, tu vois. Et si tu veux, ici, et dans mes contacts privés, je te le répète, on parle de ces petits trucs à mettre en place, des actions à mettre en place tous les jours pour avancer vers ce changement, vers la personne que tu veux enfin devenir. Je ne sais pas si tu n'en as pas marre, toi, d'être enfermé dans cette prison qui est la timidité, qui est l'anxiété sociale, tu vois. Eh bien, ici, tous les jours, je t'aide avec mes petits moyens, tu vois, d'essayer de te faire sortir de là, de te faire enfin sortir de cette prison, de sauter ce mur-là qui t'empêche d'aller voir ce qui se passe derrière. Donc, ça se passe ici tous les jours. Moi, je te propose ici de me retrouver tous les jours, voilà, et faire ces petits pas, des fois minuscules, des fois grands, mais de les faire ensemble. Et un jour, tu verras, sans t'en rendre compte, tu vas voir que tu auras changé, que tu seras plus le même homme, que tu seras plus à l'aise en société, que tu seras plus à. Comme moi, je l'ai fait, tu vois, en mettant des actions en place, mais je me suis rendu compte petit à petit que j'avais mon estime qui était en train de grandir, et du coup, ça me mettait un peu plus à l'aise d'aller vers les gens, d'aller dans des situations qui me paraissaient très difficiles au début, et qui sont de plus en plus faciles, tu vois. Alors, je te dis pas que la vie est rose, que j'ai toujours des fois quelques situations un peu gênantes, en tout cas, mais j'arrive à dompter ces peurs, tu vois, et j'arrive à aller de l'avant. Et le plus important, il est là, c'est de passer à l'action, d'aller de l'avant. Et ça, ben, ce n'est pas des grands sauts, pas des grands sprints qu'il faut faire, c'est petit, petit, tous les jours, avancer, avancer, avancer. Et moi, c'est ce que je te propose ici, donc tu peux me retrouver quand tu veux. Dans tous les cas, nous, on se retrouve demain.